A chica. ¡Hola! Dat is maître Miyagi. Oh, Miyagi. Dat is le professeur de yoga. Taponais. Oui, ben installez-vous, je vous en prie. Dis donc, 20 heures d'avion, vous devez être crevé, mon pauvre. Enfin, je peux vous dire qu'ici, tous les clients vous attendent avec impatience. Hein? T'es bon, vous aimez le yoga taponais. T'es bon. Oui, enfin, nous, c'est plutôt le côté japonais qui nous intéresse. Voilà. Alors, je vous explique. On a acheté ça sur Internet et on a reçu une notice en japonais. On a rien compris. Ah, mais t'es pas bon, t'as. T'es pas du japonais? Ah bon? T'es du coréen? Et pour moi, le coréen, t'es du chinois? Oups! Oui. Toi, attrape Pierre dans ma main. Mais moi, attraper Pierre, pour quoi faire, maître Raoul? Pour rapidité et agilité. Ah, d'accord. Mais j'ai pas besoin d'être agile et rapide, hein, moi, donc... Parce que rapidité et agilité, oui, plus facile pour être zen. Oh, je suis déjà zen et zoli, alors. Et puis des pierres, il y en a déjà partout dans le jardin, donc... Tête pierre ou autode, t'es pareil. Oui, mais alors pourquoi avoir changé une pierre? Tu sais quoi, hein? Cette centaine de pierres, là, eh ben tu l'attrapes et je vous croise. Ouais, cool Raoul, hein. Si. Ok, je vais te montrer un truc que m'a appris maître Raoul. Hein? Toi, attrape la pierre que tu tournes dans ma main, avant que tu la fasses. C'est une question d'ADDT, de la PDT. Tu comprends, toi? Ok, j'ai compris. Tombe de bâtir. Avec une pierre, ta monta, pas avec un escargot. Nous allons tester vos réactions face au stress. Va falloir vous contrôler. Imaginez, vous êtes dans la rue, vous marchez. Un homme étrange vous tue. On contrôle, on contrôle. Contrôle, bien, bien, contrôle. Il se rapproche de vous, oh, avec un regard pas très gentil. Oh, pas gentil. On contrôle, on contrôle. Bien, contrôle. Vous vous réfugiez derrière la première porte venue. Oh, une porte. Je vous en prie. C'est un magasin. Ah. Et vous suivez encore. Oh. Vous vous cachez derrière une étagère de petite robe. Ok. Mais vous ne pouvez pas vous cacher. Ah bon? Et non, parce que c'est les soldes. Ah. Eh oui. Il reste plus qu'une jupe. Une? Une! Non. Ah bah, pas contrôle! Oh bah non, pas contrôle! Oups! Qu'est-ce que c'est beau ce que vous faites, monsieur Raoul? C'est quoi? C'est un kata! C'est un enchaînement de mouvements! Là, c'est un kata simple pour réveiller la respiration! Dis donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça, maître Raoul? Il fait son petit kata du matin. Quoi? Ça va pas au cours. Mais il va pas faire ça ici. Non, quand même! Attends, dans une chambre, comme tout le monde! Voilà la dernière. Voyez-vous, Tamanta, t'es connue depuis longtemps que l'acupuncture est souveraine pour lutter contre toutes sortes d'addictions. Ah, mais c'est vrai que Chantal est très accro au chocolat. Vous allez voir, t'es radical. Comment vous tentez-vous, Tantal? Hein? En vélo, j'ai plutôt envie de cacahuètes et de petites olives. Hein? On a des cacahuètes et des petites olives. T'en vas, Tantal? Tu me vois? Oh, pas de sushis. Quand il y a du zen, il y a du plaisir. Bon.
Après ton matin, vous avez désinfecté les aiguilles? Bah oui. Mais avec quoi? Bah avec de l'alcool que vous avez demandé. De l'agneau, 12 ans d'âge, hein. Ah oui, attention, je me suis pas foutu d'elle, hein. Monsieur Ping Pong. Une petite dernière sur la coude. Une petite dernière. Eh, Samantha! Qualitissimo! Sì!